Eh bien bonjour tout le monde, c'est Dairon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et peut-être le dernier, enfin quelque part je l'espère, donc dernier épisode de Watch Dogs. Alors donc pour le dernier épisode malheureusement Clara est morte. Hein. En même temps elle a été contactée Damien, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et donc maintenant Eden a décidé à tout divulguer, donc on est de retour au bunker et on va aller voir T-Bone pour voir ce qui nous attend. Pas pourquoi je sens que Damien doit pas être long. Attention, quand la lumière s'éteint, c'est là que les ennuis commencent. Et plusieurs dirigeants de la société Bloom ont à répondre d'une série de vidéos à caractère sexuel récemment diffusées sur Internet. Une vidéo troublante implique Donovan Rushmore dans le meurtre d'une certaine Rose Washington. La victime était une employée du réseau CityOS portée disparue depuis plus d'un an. Le maire se refuse à tout commentaire. Un communiqué de la mairie affirme qu'il s'agit d'images trafiquées, probablement par le groupe DedSec, afin de discréditer le maire. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Nikki est en sécurité. Et que tu vas payer pour Clara. Tu crois que c'est toi le héros de l'histoire? Mais lis les journaux, putain. Toute la ville te déteste. Toi et ton orgueil à la con. Allez, vas-y, je t'attends. Qu'on en finisse. Oh, mais j'ai oublié de te dire un truc. Tu vas adorer. J'ai débloqué le CityOS. Complètement. Je suis dans le système. Je te jure que tu vas halluciner. Avec s'il est dans CityOS, ça va devenir marrant. Enfin, en fait, pas du tout pour moi, mais. Bon, parce que la voix dit en fait.
Oh bon, rien du tout. Tibone. Et voilà, j'attends mon train seulement là. Il y a des lumières qui viennent de sauter. Et ça ne fait que commencer, tu peux me croire. Damien, Alex est complet au système. Ah, alors là, dans ses rêves. Je vais quand même pas laisser ce guignol s'en prendre à mon bébé. Ouf, d'accord. Mais je suis sûr qu'il la connaît pas. Alors tu vas te dépêcher d'aller sur place et tu vas tout couper. Ça va lui calmer ses ardeurs à ce connard. Je t'appelle quand je suis sur place. Content de t'avoir avec moi. J'aime bien me sentir utile. Ouf. Ok, ouais. Donc en gros, il va activer tous les pièges sur ma route, quoi. Les bornes maintenant. Oh non, pas les bornes. Les autres. Il y en a, ah non, c'est le feu qui est perturbé. C'est où je dois aller? Pourquoi est-ce qu'il m'a emmené jusqu'ici? C'est pour quand même aller là-bas après. Laisse passer les... Oh purée. Chaque fois je me chope une bagnole. Ok, alors on continue. Bon, ça va, c'est pas un problème. Quoi, je dois rentrer dans le bâtiment ici ou rien à voir? Nous apprenons la mort d'une des plus célèbres personnalités de Chicago, Dermot Lucky Quinn. On lui a attribué des liens avec le Chicago South pendant des décennies, mais aucune preuve n'a jamais été retenue contre lui. Monsieur Quinn aurait succombé à une crise cardiaque après un gala d'intervenant dans un panorama qui doit le bébé. Ils prennent en photo les gens. Ah, ils prennent le truc en photo, pas mal. Alors, oh purée, c'est nouveau ici que j'ai rien. Ok, dans ce bâtiment là, et on y rentre par où en fait? On en rentre depuis tantôt. Par derrière, ok. Alors, oh purée, par lequel on commence? On part celui du mieux, c'est le mieux à pirater. Merde, j'arrive pas à passer le firewall. Thibaut ne pourra peut-être m'aider. Il nous a bloqué, il faut qu'on le déconnecte, et vite. Si on fait rien, des gens vont mourir là aussi. Alors ? Alors, le CityOS est relié à un satellite qui agit comme une valve de sécurité. Seulement moi, j'ai un petit virus maison, un putain d'exterminateur. Il faut juste que t'ailles l'installer depuis trois points différents. Et ça fera quoi ? Ça fera que l'autre enfoiré pourra plus rien faire, ça je te le garantis. Ça va être le bordel. T'imagines pas à quel point, amigo. Appelle-moi quand le virus est en place, il faut qu'on fasse ça bien. Oula, désolé, j'ai voulu éviter le micro, mais là je crois que j'ai raté. Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter si facilement? Tu me déçois. Je te croyais intelligent, mais on dirait que tu vaux pas mieux que les autres. Bon, allez, je veux juste une moto, un véhicule. Tu veux jouer avec moi?
Ok, là-bas il y a des points à pirater. Oh non, purée, il rebalance les. Damien a trafiqué le système de navigation. Il essaie de me ralentir. Allez, on se concentre sur un endroit à la fois. Merde, désolé Léon. Oh purée, c'est de l'autre côté en plus. Oh là là. Eh merde, j'arriverai jamais jusque là-bas moi. Ah merde, il est derrière. Oh purée. Oh là là, mais non. Hein. Et en plus, je dois attendre que le virus se dépose, je me fais tirer dessus par le sniper. Alors maintenant, où est-ce que je dois aller? Tu essayes de détruire la ville. Oh, il est vivant. Non, pas la détruire. L'estropier. Pour qu'il sache tout ce que ça fait de se voir voler. Oh là. Et je garde le meilleur pour toi, partenaire. Je vais lui rentrer dedans. Laissez tomber. Oh, j'en peux plus de ces missions avec des flics qui sortent de partout, y'a plus moyen de passer, là ma voiture est bientôt explosée. Bah tiens. Oh purée, mais calmez-vous les mecs quoi. Alors c'est quoi, ils ont posé des airs, c'est quoi, ouais. Ok, je suis du bon côté. Alors il y a un point à pirater là-bas au loin. Oh punaise. Hop, deux secondes, c'est moi qui passe par là. C'est vrai, quand on a. Oh purée, quand on a le City OS comme ça contre soi. C'est rigolo tout ça. J'ai réservé un vol pour aller pourrir l'ordre. Tu m'accompagnes. Rangez-vous. Je vais essayer de percuter, attention. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Merde, c'est pas vraiment la bonne route, si. Ah, peut-être réussir à leur échapper, ce serait une bonne chose, tiens. Une voiture de patrouille de choc a été envoyée en direction du suspect. Non, non, il faut que j'arrive à leur échapper encore un petit peu. Faut que je sorte de cette zone. Merde, désolé, toi. Bon, ça me fait déjà un gros truc en moins. Alors ici c'était déjà un camp du City OS dans lequel j'étais rentré une fois.
Il est où le point? Bon, c'est sûr que j'aurais les flics à mon cul, hein, vu le nombre de CTOS que j'ai sur moi, mais... Bon, par contre, faut juste que j'arrive à choper un véhicule. Merde. Bon, 2 secondes, là faut que je trouve un autre point de piratage. Ah bah il y en a que 3, celui-là c'est le 3ème. Oh, la voiture qui se remet déjà à fumer. Bon, j'espère juste que si jamais je me plante à un moment, je dois pas tout recommencer parce que... On va prendre ça. Oh putain, mais dégagez quoi, il n'y a pas que je veux passer. Disons qu'elle est sympa cette mission, mais... Enfin, c'est aussi qu'à la fin du jeu, je commence à un peu mieux maîtriser quand même. Ouais, d'accord, mais... CTOS, ok, c'est un centre CTOS, je suis d'accord. Oh putain, en plus elle est là-bas. Ça va pas être facile à attraper. Ah merde. Merde. Oh non, ça va, je m'en fous moi de la caméra. Merde. J'ai pas réussi à la pirater? Ah oui, non, le virus se transfère, j'ai rien dit. Merde, c'est qui me tire dessus là? Merde, mais saute pas sur la table, toi, abruti! Planque-toi derrière la table! Bon, le virus, c'est fait. Bon. Elle est vachement sympa cette arme. Pas trop ce qu'elle envoie par contre, mais... Bon, lui il m'emmerdera plus. Mais non plus.
Lui non plus. Bah tant pis, hein, si le seul moyen de s'en débarrasser c'est de les éliminer. Recharge vite! Bon, ok, des hommes là, il n'y en a plus des masses. Est-ce qu'à un moment ils vont lâcher ou quoi? Allez, je vais remettre mon casque en place. Attention, SUV de patrouille se dirige vers la position du suspect. Bon, oui, ils sont pas encore décidés à me lâcher. Ah ouais, quand même. Bon, on va faire un petit ménage. Bah bizarrement j'ai pas vraiment envie de sortir quoi. Attention, SUV de patrouille vient d'être envoyé en direction. Bon, comment est-ce que je pourrais faire pour m'en débarrasser moi? L'idéal serait de réussir à sortir par derrière. Oh, il reste des bagnoles de flics. Hein. Regardez sous le tampon. Central, le suspect a filé, mais on laisse pas tomber. On a un truc bizarre là. On voilà, si j'arrive à... Merde. Merde, dégage, le SUV juste en face de moi, purée, ils vont me repérer. Non, ça va, nickel. Bon, celui-là, il va me repérer. Alors ça, c'est beau de le tenter, hein, mais... Pourcentage de réussite, zéro, quoi. Sérieux? C'est bon, les virus sont en place. Ok, retourne à l'endroit du point faible. Enfin, je n'ose pas bouger parce que je suis sûr que dès que je vais bouger, là. Ah, c'est bon, vas-y, t'as raison, passe. En gros, on a un accès direct au satellite et ça, c'est carrément important. Ok, je vois, un accès au satellite. C'est ça la soupape de sécurité? Tu rigoles, c'est mieux que ça. Une fois à l'intérieur, t'appuies sur le bouton et pouf, coupure générale. Et si on a du bol et que je suis aussi brillant qu'on le dit, on saura où se cache Damien. Je demande pas mieux. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? C'est dans un turbo réduit, il y en a beaucoup. Alors... Ah, c'est pas bien loin. L'idéal serait que j'aille en véhicule. Par contre, il y a encore une jeep de flic là. Je préfère éviter qu'elle me repère. Ah, t'as raison, avance. Voilà, c'est ça, t'as raison. Et hop. Ouvre de la porte. Par contre, j'aurais peut-être quand même pu mettre. Voilà. Bon, on va essayer de voir si on peut finir ça dans cet épisode. Hein. Bien que l'épisode est déjà plutôt pas mal avancé, mais bon.
Aïe, là c'est ma voiture de tantôt, tiens. Elle avait pas bougé. Bon, allons-y, go. Là, si je devrais avoir les accès qui vont permettre de pirater le truc. C'est d'être sec, s'y installer. Enfin, bon, on n'a pas le choix, donc. Ah bah tout de suite, c'est plus facile, tiens. Ouais, mais encore. Il va où ça, ouais. Ah bon, plutôt simple celui-là. Bon bah allez, au revoir CityOS. Oh bordel. Ah, y'a encore du courant. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Trouver un bateau et rejoindre Damien. Ah, par contre, le téléphone fonctionne toujours. Queen est mort. T'as récupéré ta sœur et Clara. Eh ben, Clara, elle t'a trahi. Elle a causé la mort de ta petite Lena et toute sœur en plus. Et toi alors? On pourrait penser que c'est toi le responsable de sa mort. Je me demande qui pourrait penser ça. Pourquoi s'arrêter là? T'es pas innocent non plus. Si je me rappelle bien, c'était ton idée, le coup du Merlot. Je m'en veux tous les jours d'avoir eu l'idée de ce coup, de t'avoir rencontré, de pas t'avoir arrêté quand j'aurais dû. Mais je ferai pas l'erreur deux fois. Maintenant, s'il y a un problème, j'interviens. Ah ouais, le justicier. J'ai vu tes exploits. Le seul problème que je vois là, c'est toi. Et je vais régler ça. Ah, au phare, voilà. Wow. Je l'avais déjà dit que si s'il y avait un phare, c'est pas pour rien quoi, c'est qu'il devrait se passer quelque chose. Bah, on va dire que pour un final, c'est pas plus mal en fait. L'électricité n'a pas été coupée là-bas. Damien doit y être. Mais
c'est vrai qu'en même temps, une vue informatisée, il suffit qu'il y ait un petit bug et pouf, plus rien. Ah si, je peux courir, pour moi. Encore plus haut. Encore au-dessus? Sérieux? Ouais, mais si le Damien avait voulu me tuer, il m'aurait déjà tué 20 fois là. Surprise! T'as prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire? Ils savent qui je suis maintenant! C'est tout, t'as rien d'autre à dire. Hé! Hey, ferme ta gueule! Regarde-toi un peu! Tu te sers des gens pour attaquer un parrain de la mafia! Tu te crois tout permis parce que t'as causé quoi? Noble? Tu m'as manipulé! Voilà la vérité. Ah ouais, vraiment. Clara, c'est ta faute autant que la mienne. Pareil pour ta nièce. Voilà pourquoi ta famille est partie, non? Ils te connaissent bien. T'as un certain talent, Hayden. Mais il t'arrive aussi de perdre. Bla bla bla, la vache, ce que vous êtes bavard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé, l'ami. Nouveau contrat. Jette ton flingue. Quoi? Jette ton flingue. Oh, vous verriez vos têtes. Vous en faites vraiment une affaire personnelle, c'est ça votre problème. C'est pour ça que tout a foiré. Et je vous conseille de retenir la leçon. Hop, 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 le téléphone aussi. Donne-moi ça. Allez, envoie. Je sais pas ce que Damien cherchait à accomplir sur la fin. À mourir, peut-être. Je voulais venger la mort d'une fillette. Et au final, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des mensonges, des rois corrompus, une ville brisée. Quant à moi, j'ai changé. Je ne vis plus dans le passé. Je n'ai plus de regrets. Je regarde vers l'avant. Tout est connecté. Et je compte bien m'en servir. Pour dénoncer. Pour protéger. Et s'il le faut. Pour punir. Et bien voilà, c'est enfin terminé. Flash spécial. Donovan Rushmore est mort. La police ne révèle aucune information. Les documents révèlent des liens étroits et des cas de corruption entre le maire et le dirigeant du Chicago South Club, Lucky Quinn. Le maire a-t-il mis fin à ses jours après ces révélations ou a-t-il été exécuté? Charlotte Gardner, directrice des relations publiques de Bloom, a émis un communiqué sur les problèmes liés au CityOS. Nous savions depuis le début que notre réseau CityOS serait la cible des hackers de toutes sortes. Ces cyberattaques ont permis d'éprouver la robustesse et la fiabilité de notre système. Et nous sommes satisfaits des résultats. Notre pare-feu a réussi à repousser les pires attaques et dans certains cas, il a pu fermer les accès au système avant que quiconque puisse s'y introduire. Vos informations personnelles sont en sécurité. Le réseau du CityOS est à nouveau pleinement opérationnel. Oh.
Aujourd'hui, nous voulons accorder plus de temps à nos proches. Jouer un rôle dans la communauté. Vivre dans des maisons et quartiers plus sûrs. Bloom Industries est à votre écoute et vous comprend. Nous ouvrons les portes d'une nouvelle ère en faisant du monde notre communauté. Avec le CityOS 2.0, on s'intéresse à vous. C'est vous qui êtes au centre du monde. CityOS 2.0, pour des villes intelligentes, plus intelligentes. Tout de suite, l'interview d'une femme qui prétend connaître le fameux justicier Aiden Pierce. Nous accueillons aujourd'hui parmi nous la pédopsychiatre Yolanda Mendez. Docteur Mendez, votre histoire est extraordinaire. Vous connaissez bien Aiden Pierce, le fameux justicier de cette ville. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je connais Monsieur Pierce par sa famille, par sa sœur. C'est ce qui est surprenant pour nous. Les informations le concernant sont très rares. Donc, si j'ai bien compris, vous traitiez le traumatisme de son neveu ? Oui, le fils de sa sœur. Je suis tenu au secret médical. Je ne peux donner aucun nom. Non. Et c'est tout à fait normal. Mais vous avez rencontré Aiden Pierce. Qui est-il ? Impossible de savoir précisément qui il est. Il fait tout pour masquer sa personnalité, et il le fait très bien. C'est vrai ? Oui, mais pas à la manière d'un joueur de poker. Il est extrêmement intelligent, et il cherche à avoir l'avantage en toutes circonstances. Et vous écrivez un livre ? C'est exact. Je retranscris toute cette expérience. Une étude sur Monsieur Pierce. Quelque chose me pousse à explorer l'inconscient de cet homme. J'attends votre ouvrage avec impatience. Docteur Mendez, merci. Détsec en massé. Nos mises en garde sont tombées dans les oreilles de sourds. Notre réputation a été entachée par des avortons comme Divault. Ceci est notre dernier avertissement. Il faudra rendre compte. Nous surveillons ceux qui nous surveillent. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes invincibles. Nous sommes en guerre. Alors que les recherches se poursuivent pour appréhender le justicier que l'on surnomme le renard, la police a demandé au gouvernement fédéral d'autoriser des peines plus sévères contre ceux qui tenteraient d'imiter le renard. Ces personnes seraient, je cite, « poursuivies et condamnées sans ménagement ». Alors que Chicago est toujours sous le choc après le meurtre de Rose Washington et la mort du maire, l'élection ne passionne guère les foules. Et le nom qui revient le plus souvent pour le poste de maire par intérim n'est autre que Charlotte Gardner, vice-présidente en charge des communications chez Bloom. Ses défenseurs assurent qu'elle saura rendre à notre ville l'intégrité. Les autorités tentent de recoller les morceaux après le terrible chaos causé par un dysfonctionnement du CityOS. La ville a connu d'importantes coupures, des ponts en panne et des dégâts s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Le CityOS est de nouveau en ligne, mais beaucoup se demandent s'il est doté d'un système de sécurité suffisamment puissant. Je pisse le sang, et toi ? Ça va, je tiens le coup. J'ai un dernier os à ronger pour toi. J'ai parlé avec Maurice, il a quand même fini par cracher le morceau. Je te donne le lieu et tu te démerdes pour le reste. Les affaires sont les affaires. Ouais, t'as tout compris. Y'a que ça qui compte. Il est comme ça, Jordi. Un fixeur. Qui aime les choses bien propres. Maurice représente un risque pour lui, mais au final, c'est mon problème. C'est lui qui a tiré sur ma voiture, qui a tué ma nièce. J'aimerais dire qu'on est différents, mais j'ai plus de repères. Combien de personnes j'ai blessées ou tuées ? Qui mérite de mourir ? Qui ? A le droit de tuer. Et bien voilà, cette fois-ci, je pense que tout le générique est fini. Ah, bah, tu qui roule. Tout nettoyer.
savais que tu viendrais. Les gars comme nous, ça s'arrête jamais. C'est fini. C'est toi le dernier. Ah putain, mec. Il n'y a pas de dernier. C'est toi le dernier. Je t'avais prévenu. Ces types racontent des trucs sur eux. C'est fini? Non. Mais maintenant, c'est leur tour d'avoir peur. Putain de merde. C'est quoi ton problème, mec? Hein? T'es foutu? T'as compris? On est tous foutus! Allez, bute-moi, merde! Vas-y. Hein? Ça t'aidera à dormir la nuit. T'auras tué le type qui a tué ta nièce. T'en meurs d'envie, c'est l'égoïste de merde! Bon, bien voilà, cette fois-ci, je vais vraiment pouvoir vous dire au revoir. Là, c'est le second générique, donc je suppose que là, le jeu est vraiment fini. Alors, puis ça, ils nous mettent de la petite musique. Peut-être juste. Il faut juste diminuer la. Grâce à vous, voilà. Le réseau CityOS a connu une année exceptionnelle. La ville de Chicago s'impose comme un exemple, et c'est avec fierté que nous allons nous implanter dans d'autres grandes villes du pays et partout dans le monde. La ville tout entière est désormais à votre porte. Le CityOS 2.0 sera disponible cette année. Grâce au CityOS, le futur est à portée de clic. Et bien voilà. Bon, à moins que mon GSM se remette à sonner dans les 30 secondes, il ne sera pas impossible. Donc ceci, on va vraiment se quitter pour Watch Dogs, hein, le jeu. Ouais, j'ai fini le jeu. Ça m'aura demandé pas mal de temps, ça m'aura pas mal énervé aussi, parce que c'est vraiment un jeu qui est horrible par moment. Et donc, voilà, cette série va se terminer ici. Je vais juste encore sortir un épisode, pas dire un épisode bonus, mais un épisode en fait qui sera un petit compte rendu où je vous dirai ce que j'en ai pensé, les points positifs, points négatifs, tout ce qui va avec. Donc bon, on se retrouvera pour ce petit épisode bonus, et sinon, je vous dis à très bientôt sur une autre série. Allez, salut tout le monde!